C'est une exposition d'automne. Avant, on ne faisait qu'une exposition mycologique. Mais depuis plusieurs années, on présente différents aspects de la nature. Alors, cette année, on a présenté les baies. Il y a une partie insectes et plantes envahissantes. Il y a une personne qui présente des fossiles et un aperçu sur la géologie. Et puis donc c'est une bonne journée conviviale. Le samedi matin on met en place donc tous les éléments. Et puis à midi il y a un repas convivial avec un petit vin d'honneur avant. Et c'est ouvert au public le samedi après-midi, le dimanche, toute la journée. Et le lundi, c'est réservé aux scolaires. Alors cette année, on a quand même 12 classes qui sont intéressées.